Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, dans le cadre du conclave virtuel, j'ai choisi de vous faire une capsule sur une activité que personnellement j'adore au camp et j'ai nommé l'Arctic Power. L'Arctic Power pour moi, c'est vraiment une façon incroyable de se réveiller. Ça me permet de commencer ma journée du bon pied, de pouvoir en profiter, de me sentir bien, puis de surtout quand il fait chaud ou quand je suis un peu plus fatiguée, là, ça me réveille vraiment, vraiment beaucoup. J'ai eu la chance d'aller chez mon père dans les Laurentides pour un week-end et j'ai décidé de me créer mon propre Arctic Power. Le défi que je vous lance dans cette capsule, c'est pas nécessairement de faire un Arctic Power comme on a l'habitude de le faire au camp, donc vous avez pas besoin nécessairement de vous lever à 7h30, c'est l'été, vous pouvez en profiter aussi. Mais le défi, c'est la constance. Donc, vous allez vous donner un défi, que ce soit d'aller nager dans un lac, dans une piscine, de prendre une douche froide. L'important, c'est de réussir notre défi. Donc, moi, mon défi que je me suis lancé, c'était de courir de mon chalet jusqu'au lac, puis de faire un aller-retour jusqu'au quai. Si tu choisis l'option piscine ou lac, c'est vraiment important qu'il y ait quelqu'un avec toi pour s'assurer que ta sécurité soit maintenue. Sinon, une douche froide fait vraiment la job aussi. Je sais pas si vous le saviez, mais l'eau froide a plusieurs bienfaits sur notre corps. Alors, ça nous permet de renforcer notre système immunitaire, d'avoir une plus belle humeur le matin aussi parce qu'on se réveille avec un petit peu de pep. Elle diminue le stress et l'anxiété, nous permet de nous concentrer davantage et aussi, ça nous permet d'avoir un peu plus de volonté ou de détermination pendant le reste de notre journée. Alors, je vous montre ce que j'ai filmé au chalet. J'espère que votre baignade vous a fait du bien, que vous êtes fiers de vous. C'est un défi accompli, je l'espère, pour vous aussi. Puis je pense très fort à vous et je vous dis à bientôt!